Depuis ce drame, une cellule de crise a été mise sur pied à l'Office national de la protection civile, ONPC, pour la gestion des appels des parents des victimes en vue de les orienter vers les ministères techniques chargés de leur prise en charge. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le général Kilifiak Radams, directeur général de l'Office national de la protection civile, a fait des précisions sur le nombre officiel des victimes. À ce jour, je pourrais vous dire que 61 personnes sont décédées. Ces chiffres ont été consolidés par les services de santé. 46 victimes ont été identifiées par les services de police. Parmi ces victimes, 44 sont de sexe féminin. Au moment où je vous parle, 14 blessés sont encore internés au CHU de Cocody et 2 à la PISAM.